Tout d'abord, je tiens à vous remercier et aussi dire que le groupe se porte bien. On a eu à faire deux séances et on voit que dans l'ensemble, tout va bien. Il n'y a pas eu de blessés et le groupe est complet. Donc, du coup, je peux dire qu'on est vraiment préparé pour le match de demain. Et aussi, on sera tout pour remporter ce match parce qu'on sait que le match est un match très important pour la qualification. Et on va dédier cette victoire si jamais on gagne aux FDF qui sont en train de se battre pour le Club Burkina. Je veux dire tout d'abord, on a confiance en soi parce que dans le football, il faut avoir confiance en soi. Et aussi, vu qu'on est sur une bonne dynamique, donc on met toutes les chances de notre côté pour être optimiste et être prêt pour demain. Tout d'abord, on sait que le Togo, c'est une grande nation de football, même ces dernières années, ils ne sont pas au top top. Mais ça reste un match de football où on doit prendre le match au sérieux. Parce qu'ils ont des très très bons joueurs. Ils ont un attaquant que je connais très bien, qui joue en Allemagne, à Hoffenheim. Donc, on va essayer de se baser sur leur qualité aussi, sur leurs défauts pour frapper fort. Et comme je l'ai dit, prendre le match au sérieux. Et on sait aussi que l'entraîneur, c'est un ancien entraîneur du Burkina. Et il paraît qu'il dit qu'il connaît bien le Burkina Faso. Tout d'abord, je sais côté Burkina qu'on a des très, très bons défenseurs. Et on sera préparé pour ça aussi. Qu'ils appellent 11 attaquants ou pas, je me dis qu'ils vont pas aller 11 attaquants. Donc, on sera préparé pour eux. S'ils ont promis, c'est 4 attaquants qu'ils vont mettre, donc ce sera 4 aussi. Et j'ai confiance à mes gars. Je sais de quoi ils sont capables. Ils jouent le haut niveau depuis très longtemps aussi. Il y a de l'expérience qui est là. Donc, on sera préparé pour eux.